Toujours ici à Châteauroux, dans le ciel, au cœur. Là, oui, il a porté plusieurs noms, il y a eu des évolutions. Cet avion, c'est le film qui reste. C'est-à-dire qu'il a été construit au long des années qui ont suivi la guerre de 1945, parce que cet avion a été celui qui a été imaginé par un avion. Parce que quand on utilise les gouvernes que l'on tue à l'aérodynamisme, et ces efforts vont être plus importants à l'arrière de l'aile qu'à l'avant. Ça veut dire qu'on cherche déjà, à l'époque, à limiter la masse. D'accord. Intéressant. Le pilote, il est à l'arrière. On peut emmener un passager. On a un moteur à l'époque qui fait 85 chevaux. Évidemment, on va le faire évoluer. On va mettre des moteurs en étoile et puis on va avoir des moteurs en ligne. Cet avion est un avion qui a été sauvegardé, sauvé, et qui est maintenant utilisé par un des pilotes d'une patrouille aérienne. Et ce pilote qui se trouve dans cet avion, eh bien, on lui a confié cet avion, tout simplement. On lui l'a confié parce que Anthony Bézard, il a été ingénieur. Il a donc gravi les échelons parce qu'il a souhaité le faire. Et puis il a travaillé dans des ateliers dans lesquels les avions de correction pouvaient se faire remettre en état. Et du coup, il a piloté tous ses avions, parce qu'on lui a fait confiance également. Et donc, ce gamin qui était dans une école et qui ne voulait rien faire à l'école, mais qui, au fur et à mesure de l'aviation, s'est pris pour passion, eh bien aujourd'hui, il est au top, il travaille à très haut niveau. Et c'est lui qui relie intégralement les avions. Sous le cœur, ici, en vol dans le ciel de Châteauroux, je propose de recommencer à merci à vous d'être présents ici. Come on.
se construit petit à petit. Et vraiment, les Français ont décidé d'un premier qui serait sur moi. Ça, les Russes ont tenté ces expériences avec un cadavre. Et il y avait, lorsque le pilote tirait sur le siège éjecteur, une panne de moteur s'en allait. Et ensuite, le pilote était éjecté. C'était pas très bien. La trouille, la chérie.
Sur le reste de l'équipe, ils reviendront d'ici quelques instants. Thank you.